pour vos annonces, vos prédications, vos affiches, vos vidéos, vos clips, une seule adresse. Ne vous trompez pas, tapez www.casarima.fr. En ce moment même, nous sommes en pleine promotion extra matraquage visibilité extra large. Olingi oye banati na Vietnam, ba mona yoti na Bagdad, atakutu, na Bethlehem, mboka ya Yesu, yaka na Casarima. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Na 200 euros ya pamba, vous en avez droit, il y a deux prédications et une affiche pour tout un mois. Et zalate, kaka na Casarima.fr. Casarima.fr vous offre l'opportunité d'atteindre toutes les nations. Chez Casarima, vous êtes entendu, vu et connu. Casarima.fr, number one pour la promotion chrétienne, une publicité avec impact et résultat palpable. En exclusivité, tapez www.casarima.fr. Voici l'une des qualités que je reconnais dans les branamistes. Je n'accepte pas leur message. Je dis, si vous croyez au message de Branham pour aller au ciel, en dehors de Branham, il n'y a pas d'autre prophète. Et tout le reste de Branham, c'est Élie, Jean-Baptiste, des temps de la fin. Je ne crois pas cela. Mais voici une chose que j'aime chez les branamistes. Il parle tout le temps de l'éternité. Tout le temps de l'éternité. Ils attendent tout le temps le ciel. Et un pasteur a fait l'étude, il a dit, tu sais pourquoi est-ce que les branhamistes vont trop nombreux à l'église même en semaine? Je dis non. Parce qu'on leur a tellement prêché le ciel qu'ils n'ont plus envie du monde, ils vont à l'église pour entendre les choses du ciel. Ce qui vient d'arriver, c'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Dieu vient de nous donner un message aujourd'hui, qu'il viendra comme une surprise, alors où personne ne le saura. Personne. Même les prophètes seront surpris par la venue de Jésus. Même les gens intimes seront surpris. Et ce qui les sauvera, c'est leur marche quotidienne avec lui comme s'il venait maintenant. C'est ce qui les sauvera. Ce n'est pas que Dieu va te donner une fuite. Non, il viendra comme un voleur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. J'avais besoin de ce Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit aussi aide à opérer dans le prophétisme. J'ai un deuxième message, mais là c'est un enseignement. Un enseignement fort qui va déranger, mais qui va nous aider sérieusement. Après cela, je vais apporter une prophétie que j'ai reçue ce matin à 4h, 5h du matin, que Dieu m'a donnée pour l'église et nous allons prier. Et cela va arriver. Vous le croyez? Alléluia. L'histoire que nous allons lire est tellement riche et tellement importante que nous allons la lire deux fois. Et puis nous allons exploiter le texte. Aujourd'hui, je vais parler sur attention aux vieux prophètes. Dis ça à ton voisin. Encore. Attention aux vieux prophètes. Pour ceux qui casarement, c'est attention aux vieux prophètes. Nous sommes dans 1 roi 13. Vous y êtes là? Nous allons, pour ceux qui ont leur Bible, nous allons nous tenir debout. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous restez ici. Bon, allons-y. Vous avez fait pour le
peuple d'Israël et des Égyptiens. Non, vous avez abîmé. On recommence. Voici. Arrêtez. Un, deux, trois. Allons-y. Voici un homme de Dieu arrivant de Juda. Concerne la vie chrétienne.
pourquoi est-ce que nous avons lu tout le récit? Parce que c'était impossible de lire un verset, parce que pour comprendre, il fallait tout lire. C'est pourquoi on a tout lu. C'est pourquoi aussi, quand tu lis la Bible, on ne lit pas seulement verset par verset. Il y a certains versets qui ont leur sens, pris eux-mêmes. Mais d'autres versets, si tu les prends lui-même, il n'a pas de sens. Il faut que tu lises tout le chapitre, toute l'histoire, pour que tu comprennes le verset. Alléluia. C'est pourquoi on devait être des lectures, des lecteurs de la Bible, pas des lecteurs des versets bibliques. Amen. Comme je vois certains qui disent, donne-moi un verset. Non, tu n'as pas besoin d'un verset. Tu as besoin de connaître toute la pensée de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, pour comprendre la toute la pensée de Dieu, si vous vous arrêtez dans 1 roi 13, vous n'allez pas comprendre tout. Il faut lire 1 roi 14, 15, lire tous les rois pour comprendre cela. Il n'y a jamais le présent sans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant 1 roi 13? Pourquoi on en arrive à ce problème-là? Dieu appelle un homme Abraham. D'Abraham, il sort un homme, Isaac. D'Isaac, il sort un homme, Jacob. Dans Jacob, il choisit Judas. C'est lui qui engendre les rois. Et dans Judas, il engendre David, qui est le roi selon le cœur de Dieu. Amen. C'est lui qui inaugure les rois selon le cœur de Dieu. Et David était roi pendant un temps sur Juda, sa tribu, et puis il était roi sur tout Israël, c'est-à-dire sur toutes les 12 tribus d'Israël. Amen. La pensée de Dieu, c'est que le roi d'Israël doit régner sur les 12 tribus d'Israël. Amen. David commet un péché. Il couche avec Bathsheba. Et Dieu, cette femme se retrouve enceinte. Dieu tue cet enfant. David prie, pleure. Dieu tue l'enfant de maladie. Et David était un homme répandant. David n'était pas un homme parfait. C'était un homme répandant. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Parce qu'il n'y a pas un seul homme parfait ici. Dieu cherche des hommes répandants. Des gens qui avouent leurs crimes et les délaissent. Pas des hypocrites qui jouent au saint, mais des gens qui disent, Seigneur, j'ai fait, pardon, j'arrête. C'était ça la force de David. David n'était pas parfait. Et David tue Uri, le mari de Bathsheba. Donc il prend la forme de truc et il tue son mari. Et Dieu promet la division, Dieu promet l'épée, Dieu promet la mort, Dieu promet la rébellion, et cela arrive. Mais des enfants, plutôt un enfant né encore de Bathsheba, parce qu'après il épouse cette femme, la femme du livre, parce que son mari est mort, et cette femme lui donne Salomon. Salomon est né d'une femme d'autrui que David avait pris. Il n'avait pas une bonne origine, Salomon. Et Dieu lui donne la sagesse. Et Salomon, au début de son règne, était un roi sage, craignant Dieu, un roi pur. Mais quand Dieu l'a élevé, lui a donné richesse, abondance, il a quitté le chemin de Dieu. Vous tous qui priez pour que Dieu vous élève et vous bénisse, Seigneur, mais avez-vous le cœur de conserver Dieu dans l'élévation? Vaut mieux que tu restes pauvre avec Dieu, que tu deviennes riche sans Dieu. Quand il devient riche, il bat le record du monde de concubinage. 300 femmes et 700 concubines. Waouh, acclamons Salomon. Vous mettez les plus en haut. Il y en a là. Nous, on sautait pasteur à Seine à les Arabes. Bien. Et on va dire, monsieur, ce pasteur a fait une levée, vous bénissez. Eh, on résonne là. Amen. Donc, je suis vraiment décidé cette année de vous enseigner sérieusement. Que vous grandissiez dans les choses de Dieu. Alléluia. Et il épouse cette femme et cette femme lui donne Salomon. Salomon aime tellement les femmes étrangères.
des femmes qui adorent d'autres dieux. Et ces femmes, dans sa vieillesse, parce qu'il y a certains péchés qui attendent les temps de faiblesse. Lorsqu'il était jeune et fort, il y avait des femmes étrangères qui priaient leur Dieu, mais qui ne l'influençaient pas trop. Mais dans sa vieillesse, quand il est devenu vieux, ces femmes-là l'ont influencé. Bien aimé, il y a une qualité que le diable a, la patience. La patience. S'il n'arrive pas à t'avoir maintenant, il peut attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 50 ans, il peut attendre. Parce que lui ne vieillit pas. Toi, tu vieillis. Et dans la vieillesse, c'est pourquoi, bien aimé, l'important dans la vie n'est pas le début de la vie, mais c'est la fin de la course. J'ai déjà vu une fois un sprinter, c'était lui le premier de tous. Il court, il court, il court, il court. Et il arrive à un endroit là, il tombe, c'était lui le premier. Tout le monde l'a doublé, il était le dernier. Mais si tu avais vu le début de la course, tu avais dit c'est lui qui va gagner. Mais au milieu, il a trébuché et il était le dernier. Et Salomon, dans la fin de sa vie, a commencé à permettre l'idolâtrie. Lui qui savait qu'il était le produit de la grâce de Dieu. Lui qui savait qu'il était le produit de la prière, de la faveur de Dieu. Qu'il avait une origine que Dieu ne pouvait même pas bénir. Il oublie cela et commence à adorer des statues, des démons. C'est terrible. Cela prouve à quel point l'homme est changeant. L'homme a une capacité de décevoir Dieu, tu ne peux pas savoir. Et quand je dis l'homme, je ne parle pas de Salomon, je parle de toi. Au-dedans de toi, il y a une capacité de décevoir Dieu que tu ne peux pas comprendre. Il faut seulement que la grâce de Dieu te soutienne. En chacun de nous ici, il y a un Salomon. Il y a un Salomon. Une nature qui, malgré la grâce de Dieu, est capable de décevoir Dieu. Mais écoutez, lorsque Salomon déçoit Dieu, écoutez ce que Dieu me dit. Je veux diviser le royaume, mais pas pendant ta vie. Pas à cause de toi, à cause de David. Mais après toi, Israël ne sera plus uni. Ce sera divisé en deux. Mais pas pendant ta vie, et pas parce que tu me trahis, mais à cause de ton père David. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux vivre, non pas à cause de toi, mais à cause de quelqu'un d'autre. Mais ce ne sont pas des choses profondes. Car si ta suite dépend de la spiritualité d'un autre, alors si ta vie n'était pas spirituelle, qu'est-ce que serait devenu Salomon? Il allait connaître le schisme pendant sa vie. Ta spiritualité ne doit pas dépendre des autres. Ta spiritualité doit être personnelle et individuelle. Mais Dieu, à cause de son alliance, parce que c'était un Dieu des alliances, il laisse Salomon mourir sans voir la division à cause de David. Mais quand seulement Salomon meurt, Salomon avait un travailleur qui s'appelait Jéroboam. Un travailleur, un esclave. Dieu prend 11 tribus, il donne à l'esclave. Il prend une tribu, celle de Juda, il donne à Roboam, le fils de Salomon. La prophétie se réalise et s'accomplit. Israël est divisé. D'un côté, le royaume de Juda avec Roboam, et d'un autre côté, le royaume d'Israël avec Jéroboam, le serviteur. Alléluia. Écoutez maintenant. En Juda sortent des prophètes. En Israël sortent aussi des prophètes. Dieu opère dans les deux royaumes parce que c'est toujours Israël pour lui, même si c'est divisé. Alléluia. Amen. Et il y a toujours le but de réunir Israël. C'est là maintenant qu'on dit, dans 1 roi 13, qu'un prophète est sorti de Juda, c'est-à-dire là où il y avait Roboam, il est allé là où il y avait Jéroboam, le serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur a commencé à invoquer les faux dieux et il a établi l'idolâtrie en Israël. Il a commencé lui-même roi, alors que les rois n'ont pas le droit de la sacrificature. C'est lui le roi qui choisissait les sacrificateurs et les prêtres, et c'est lui qui dirigeait la religion.
C'est ce qui arrive dans notre pays où maintenant la politique veut établir des pasteurs. Où la politique établit des pasteurs. L'élévation des bancs et des connivences politiques. C'est ça le règne de Jéhovah. Lorsque bien-aimé dans une nation, plus tu es proche du pouvoir, plus Dieu t'élève, nous sommes au temps de Jéhovah. Et qu'est-ce qui arrive? Jéhovah arrive au point où même lui-même peut offrir des sacrifices, même s'il n'est pas sacrificateur. Il se permet tout. Ou dans un pays, on commande aux hommes de Dieu, faites ceci, organisez cela. Et on prie. Qui nous dirige? Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les politiciens qui dirigent. C'est l'esprit de Jéhovah. Jéhovah a toujours ses prêtres. Jéhovah a toujours ses prêtres. Les prêtres de Jéhovah finissent toujours par être maudits par Dieu. Et un jeune prophète sort de Juda et il va maintenant en Israël, là où il y a Jéhovah, et il donne une prophétie. Il dit, Dieu va détruire cet hôtel. Dieu va exterminer la famille de Jéhovah. Dieu va exterminer les prêtres des hauts lieux. Dieu va frapper tous ceux qui se sont livrés à l'idolâtrie. Et aujourd'hui, comme signe, l'autel va se fendre en deux et sa cendre se répandra. Il donne une prophétie avec un signe prophétique qui doit s'accomplir. La Bible appelle le jeune prophète doublement, lui donne deux noms, et c'est très important. On l'appelle jeune prophète et on l'appelle homme de Dieu. Il y a une différence entre être prophète et être homme de Dieu. Être homme de Dieu est supérieur à être prophète. Je vais le prouver. Le vieux prophète est appelé prophète, le jeune prophète est appelé prophète, mais le vieux prophète n'est pas appelé homme de Dieu. Lorsque vous lisez cette histoire, c'est seulement le jeune prophète qui était appelé homme de Dieu, mais les deux étaient appelés prophètes. N'appelez pas tout le monde homme de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. Je répète, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. Le jeune prophète était serviteur de Dieu, le vieux prophète était serviteur de Dieu, mais l'homme de Dieu, c'était le jeune prophète. Et quelle est la guerre aujourd'hui? La guerre, ce n'est pas entre les serviteurs de Dieu, mais c'est entre les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Certains ne sont que des prophètes, mais d'autres sont des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui sert Dieu dans la sainteté, qui sert Dieu dans la pureté, qui sert Dieu dans l'obéissance, mais qui sert pas seulement Dieu. Il y a des gens qui prophétisent seulement, qui servent Dieu seulement, mais qui n'obéissent pas et qui ne craignent pas Dieu, le Dieu qu'ils servent. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. La qualité d'homme de Dieu est un niveau élevé dans la sanctification. C'est-à-dire un homme qui appartient à Dieu et qui obéit à Dieu. Et ce jeune prophète donne la prophétie. Il maudit les faux serviteurs de Dieu. Il maudit le politicien qui commence à mettre l'idolâtrie. Il maudit sa descendance. Il maudit même le lieu du culte. Et il dit qu'il y aura un signe, l'autel va se fendre. Ça veut dire que ce système va mourir. Et je vous dis, bien aimé, dans cette nation, il y a un système de faux ministères qui va disparaître. Il y a un système de faux ministères qui va disparaître. Les ministères qui ne sont pas soutenus par la crainte de Dieu, mais qui sont soutenus par des stratégies humaines. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Le roi Jéroboam vient et il élève la main sur le tête pour dire, ça ne s'accomplira pas. Il pensait que son autorité royale pouvait s'opposer à l'autorité prophétique. Dans le royaume de Dieu, le prophète est supérieur au roi. C'est le roi qui va venir dans la chambre du prophète, ce n'est pas le prophète qui va venir dans la chambre du roi. C'est le roi
le roi si Dieu lui donne un message pour le roi. Alléluia. Il parle et le roi est laissé. La Bible dit à l'instant, sa main devint sèche. Dieu frappa sa main. À l'instant. Et l'autel se fendit et la cendre se répandit. La prophétie du jeune prophète s'est accomplie. Lorsque la partie d'une prophétie s'accomplit, sachez que le reste s'accomplira. Le jeune prophète n'avait pas seulement dit que l'autel se fendra et la cendre sera répandue, mais il avait dit plus que cela. Il a dit qu'il y aura disparition des faux prêtres et de la descendance chez le roi. Donc le signe précurseur était le signe des autres choses. Lorsque nous parlons en notre langue, c'est le signe que Jésus reviendra. Parce que la Bible ne parle pas que du baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous prions et que nous sommes exaucés, cela prouve que l'enfer existe. Parce que la Bible ne parle pas seulement de l'exaucement des prières. Lorsque la prophétie du jeune prophète se réalise dans cette domaine, elle se réalisera dans les autres domaines. Lorsque la Bible s'accomplit dans ta vie en matière de guérison et de bénédiction, elle s'accomplira aussi en matière de jugement. Et le signe s'accomplit. Et écoutez maintenant le roi. Le roi, quand il voit que cet homme est différent de ses faux prêtres, il implore. Les politiciens ne respecteront l'Église que s'ils voient le signe naturel. Comment vous voulez que les politiciens vous respectent alors que vous courez derrière 10 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars? Comment ils vont vous respecter? S'ils savent que tu couches avec les femmes, ils savent que tu vis dans le péché. Ils le savent. Parce qu'ils mettent les gens sur l'écouteur. Ils savent ce que tu dis, ce que tu parles. Comment ils vont te respecter? Jéroboam ne respectait pas le vieux prophète. Mais quand il y a le surnaturel dans le jeune prophète, il a imploré sa prière. Bien aimé, c'est nous qui rendons nos politiciens ingénus. Ils ont besoin de Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent les vrais serviteurs de Dieu. Nos politiciens cherchent les vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas prier, ils cherchent les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont déçus par ceux qui aiment les offrandes au lieu d'aimer les conversions. Ils sont déçus par les flatteurs. Ils sont déçus par ceux qui ont une vie publique, mais en secret, qui mènent la même vie qu'eux. Bon, tout à l'heure, on a ma boisse. Alléluia. Ils cherchent Dieu. Et c'est nous qui les rendons incrédules. C'est nous qui les rendons incrédules. Le problème de cette nation, ce n'est pas le politicien. Le problème, ce n'est pas Jéroboam. Le problème, c'est le faux prophète. C'est le vieux prophète. Le problème, ce n'était pas Jéroboam. C'était le vieux prophète. Le problème de cette nation, ce ne sont pas les politiciens. Ce sont les vieux prophètes. Ce sont les vieux prophètes. Le politicien est adultère, le vieux prophète est adultère. Qui va prêcher? Le politicien est menteur, le vieux prophète est menteur. Qui va prêcher l'autre? La Bible dit, hypocrite, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève la poudre qui est dans ton œil. Et lorsque il prit pour Jéroboam, sa main guérit à l'instant. Guérit. Et je suis sûr que Jéroboam a commencé à craindre Dieu. La crainte de Dieu est entrée dans le cœur de Jéroboam. Il a commencé à dire, j'arrête les faux cultes. J'arrête avec les faux dieux. J'arrête avec ça. Je ne suis pas appelé être sacrificateur. Je retourne dans la crainte du Dieu de David. Je rentre vers Dieu. Je suis sûr que lorsqu'il a vu sa main sécher et être guéri par la prière du jeune prophète, homme de Dieu, il a dit, non, je change de vie. Mais écoutez maintenant, là où les choses se compliquent. Les rois, lorsqu'ils obtiennent une faveur, ils ont toujours tendance à dire merci. Et ce n'est pas mauvais. Mais le jeune prophète avait reçu une indication spéciale de Dieu. Tu ne retourneras pas sur ton chemin et tu ne boiras pas et tu ne mangeras. Trois choses. Tu ne retourneras pas sur ton chemin. Tu ne boiras pas et tu ne mangeras pas.
Jéhovah ne le savait pas. Lorsque Jéhovah est venu vers le jeune prophète afin de lui proposer des cadeaux et de manger de boire, il n'était pas venu le tenter. C'était seulement le respect d'un roi. Et il a refusé. Mais il y avait des antennes. Bien aimé, lorsque tu crains Dieu, il y a des antennes. Il y avait des antennes d'un homme mauvais. Les fils du vieux prophète étaient là. Le vieux prophète n'était pas là, mais ses fils étaient là. C'est comme quand nous prêchons ici, il y a des fils de certains faux pasteurs qui viennent aussi à l'église et qui vont prier là-bas, Marcelo, pour Cadio. Pourquoi des fois nous avons des problèmes? Tu n'as jamais prêché dans l'église de tel et de tel, mais tu sais que tel est contre toi. Ce sont les fils des vieux prophètes qui viennent. Tu dois choisir. Comment tu peux écouter une parole de sainteté et prier dans une église de péché? Vous devez choisir dans quelle église prier. Vous savez que votre pasteur vit dans le péché, dans le mal, et vous allez écouter Marcelo mercredi et dimanche vous allez là-bas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous devez choisir. Vous devez choisir où prier. On ne prie pas dans une église parce qu'on y prie depuis longtemps. On prie dans une église qu'elle ne prie pas à l'océan. Le jour de mon service, on va cesser de nous préparer au ciel. Quitte à cette église. Laissez-moi seul pour la Louganzane. Parce que des fois aussi, vous nous empêchez de chercher Dieu. Pourquoi? Certains hommes de Dieu ne se répandent pas parce que malgré leur péché, la foule est toujours là. La foule est toujours là et puis ils pensent que Dieu est là. Vous devenez un bouclier contre la répandance des hommes de Dieu. À cause de l'esprit fanatique que vous avez. On ne suit pas un pasteur, on suit Jésus. Lorsqu'un pasteur arrête de suivre Jésus, on ne suit plus. On ne suit plus. Si moi, j'arrête de suivre Jésus, ne me suivez plus. Quittez cette église. Entrez dans d'autres églises. Car je ne suis pas mort pour vous. Mais je n'ai pas le droit de vous amener en enfer, même si je vous ai présenté un jour Dieu. On ne prie pas dans cette église parce que toute ma famille est là-bas. On ne prie pas dans une église parce que j'ai contribué trop là-bas. On ne prie pas dans une église parce que maintenant j'ai été chargé de l'église où? Tu iras où? Où il y a la crainte de Dieu. Tu es la brebis de Dieu, tu vas te diriger. Et certains de vous, vous avez déjà dit de quitter vos églises et de venir ici, vous êtes toujours entre les deux. Frère, tu es fatigué quand même d'entre les deux. J'ai dit. Comment tu peux prier dans une église de janvier jusqu'en décembre? L'offrande. J'ai monté le fruit de ta vie. L'offrande de ceci, l'offrande de cela, jamais l'offrande de ta vie. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est une boutique. C'est une boutique qui est faite pour manger. Ne pensez pas, bien aimé, que sur tout ce qu'on appelle chambre froide, il y a un congélateur qui marche. Et ne pensez pas, sur tout ce qu'on appelle église, il y a le Saint-Esprit et la vision de Dieu. Je sais. Du vieux prophète, voyez l'onction sur le jeune prophète qu'il ne voyait pas sur le vieux prophète. Il voit la dimension prophétique sur le jeune prophète qu'il ne voyait pas sur le vieux prophète. Il voit le jugement qui accompagne le jeune prophète qui n'accompagne pas le vieux prophète. Et ils sont au courant des interdits du jeune prophète. Ils sont au courant des interdits. Vous savez, les gens du domaine sont plus dangereux que les gens qui ne sont pas du domaine. Okay. Un païen n'est pas aussi dangereux qu'un enfant de Dieu qui a abandonné Dieu. Parce que celui qui abandonne Dieu, il connaît les choses de Dieu, il peut bien te détruire parce qu'il est en maison. Un rétrograde est plus dangereux qu'un païen. Parce que le païen, quand il vient te tenter, il n'a pas les armes de Dieu. Il n'a que les armes du monde. Mais le rétrograde, lorsqu'il vient vers toi, il a les armes de Dieu contre toi. Il dit, j'ai vu un ange. On va dire au vieux prophète, parce que les nouvelles de ta consécration iront toujours plus loin que toi. Tu crains Dieu ici, ta crainte ira jusqu'en haut.
Notre marche avec Dieu prie plus que nous vivons. Ce qui fait que tu peux être ici, mais tu affectes le monde entier, mais tu n'es qu'ici. Pourquoi? Parce que le parfum va plus loin que la personne qui a mis le parfum. Si mon parfum est fort, les gens qui sont là sentent mon parfum. Mais je suis ici. Et ton témoignage, c'est ça ton parfum. Et le cœur de sa crainte, on lui a dit qu'il a refusé l'offrande, il a refusé de manger, il a dit, Dieu lui a dit de ne pas rentrer, et il a obéi malgré que toi tu acceptes les choses du roi, lui a refusé. Et l'homme est devenu jaloux. Bien-aimé, ne pense pas que ta crainte de Dieu et ton intégrité fait du bien à tout le monde. Ça énerve certaines personnes. Pourquoi? Ça les rappelle qu'ils ont abandonné Dieu. Pour la zone Nakunda, pour faire l'express. Mais on est dans l'express. Hein. La Bible nous dit, un lion est sorti, on ne sait pas qui. Il est venu, il n'a pas mangé le jeune prophète, il a tué, c'est tout. Et il tue le jeune prophète, il reste là. L'âne est là, il ne touche pas l'âne, il tue seulement le jeune prophète. Parce que lui n'était pas venu pour l'âne. L'âne n'avait pas désobéi. C'est le jeune prophète qui avait désobéi. Et le lion reste à côté de son cadavre. Pourquoi? Pour que tous les gens qui passeront sachent pourquoi il est mort. Qu'il est mort parce qu'il a désobéi à Dieu. Et la nouvelle part. Autant la nouvelle de l'onction du jeune prophète était partie, autant la nouvelle de sa mort s'était répandue. Si ton élévation est télévisée, ta chute sera télévisée. Faites très attention. Vous aimez monter, monte et reste. Si tu descends, là où tu t'es monté, c'est là où tu iras te faire tomber. Si tu as l'impact sur 10 000 personnes, tu vas décevoir 10 000 personnes. Mais celui qui a l'impact sur 2 personnes ne va décevoir que ces 2 personnes. Vous avez l'impact. Impact mondial, déception, mon Dieu. Et son cadavre reste là. Autant la parole prophétique qui est sortie de sa bouche contre le roi Jéroboam s'est accomplie, la prophétie qui est sortie du vieux prophète s'est accomplie contre lui. Et il est mort sous mon bimba. Mais vous trouvez la peine du ciel à profiter. Il y a un gouré maintenant pour moi la psaume. Bah tu vas payer moi. Bah ça va. Bah tu vas y avoir un mot. Oh, sous la nancéra. Et ça, système qui a volé, ça va. Tu vas voler, ça va. Tu peux nous ça va, tu vas là. Et c'est là qu'il va se remettre. Amen. Comment cela arrive? Aujourd'hui, le vieux prophète ne te cherche pas pour te dire le péché. Non. Sa mauvaise vie qui réussit peut être une prophétie pour te dire continue à faire le péché parce que moi je réussis malgré que je pêche. Vous qui attendez à voir un vieux prophète venir vers toi te dire fais comme moi, pêche. Non. Le fait que tu saches qu'un homme est dans l'adultère, dans le péché, mais il a une grande église, il remplit les stades, ça te dit quoi? Parce que le vieux prophète, malgré qu'il avait perdu l'onction, il mangeait, il avait toujours la nourriture chez lui. Et il avait des armes d'or, des voitures. Et il avait des enfants en bonne santé. Et il avait des fils spirituels. Car ces sortes sont venus lui dire, car fils de prophète n'est pas toujours l'enfant de la chair, mais c'est aussi des disciples. C'est-à-dire que malgré que l'onction avait quitté, il avait beaucoup de disciples. Il pouvait être même dans la maison du roi. Pour voir ce qui arrive au roi. Mais Dieu n'est pas venu. Écoutez maintenant. Qui enterre les jeunes prophètes? Répondez-moi. On va dire au vieux prophète, le jeune prophète est mort, un lion l'a tué. Il y a un seul mandat. Vieux prophète. Les vieux prophètes se sentent qu'ils t'enterreront. Ils achèteront même à ta femme une maison. Et soutiendront les études de tes enfants. Mais ils t'enterreront quand même. Parce que tu es dérangé. C'est lui qui a enterré le vieux, le jeune prophète. Mais regardez les choses. Il dit à ses enfants, lorsque je mourrai, enterreront
réponse qu'il a. Pourquoi il a envié le jeune prophète? Il a envié même dans sa mort. Beaucoup n'ont rien à dire. Vous avez mis vos côtés. Nous la vie. Vous avez mis vos côtés. 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 Vous avez pour nous avons libre, nous avons libre. Pour ceux qui nous avons libre, peine à ta sumo, à sa nécessité, pour nous avons libre. Il y a une relation qui nous a dit à la vie, au bas de l'eau, à la vie, alors que nous, nous avons dit à vous faire, et ça vous va en avant. Allez, c'est la justice. Matthieu est à l'intérieur. Dans la terrible, en matière là, nous allons du coulo. Donc, quitte à l'église. Et il enterre le jeune prophète. Il le pleure même le jeune prophète. C'était des larmes des crocodiles, des larmes des deuils qui énervent. Moi, vraiment, les deuils du Congo, vraiment, je ne sors rien. Hein. Vraiment, je suis même déçu quand je viens dans mon deuil. Je suis vraiment très déçu quand je viens dans mon deuil. Des fois, même, je me pose la question pourquoi je viens. Parce que pour moi, je crois qu'un deuil, c'est un deuil. C'est-à-dire que quand tu sors, dis qu'il est éprouvé, il est éprouvé, tu quittes ta maison, c'est-à-dire que tu abandonnes tous tes programmes, tu vas consoler quelqu'un qui est attristé. Mais quand nous allons dans les deuils, qu'est-ce que nous trouvons? Des gens qui sont en train de danser, de rire, de poser. Et maintenant, je suis venu dans une fête où tu vas consoler quelqu'un. La personne que tu viens consoler, elle te console. Ça devient, on décore la maison, on décore tout, on veut montrer qu'on est riche, qu'on est vraiment organisé, qu'on est ceci. Donc tu viens dans un truc d'orgueil, tu veux faire dans un deuil, et c'est là qu'il y a des critiques, des chamailleries, et d'ailleurs, on danse le jour du deuil, on danse. Mais mon frère, nous sommes des humains, sur une dogme, il faut rester là, pour perdre une vie. Et vous, vous trouvez que c'est vrai, vous trouvez que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez ce que la nation au Liwa et ça c'est la santé et ça t'a. Il y a un monde à Congo, on va vous faire 1 000 000 de notés. Américains vont faire mort. France est là, très connu, c'est le là. Il a dit qu'il donne Américain de Congo, c'est juste lui qui a dit. Mais t'as dit qu'il va prendre la malaria, oui. Malade et garé, c'est juste lui qui a dit. Américain de Congo, c'est le ménage. Donc c'était un homme qui connaissait Dieu dans le passé, parce que tu ne peux pas dire une telle chose au Evan Zamedien. Avec moi, je n'ai pas de souvenir, je ne vais pas dire ça. Et vous salamant. Et vous amusement au bout d'un an. Un roi qui tuera la famille de Jéhovah et ses prêtres. Mais quand arrivera cet homme? Enterrement à côté de lui. Certains qui t'écoutent te respectent, mais ils ne te respectent pas devant toi. Il te respecte dans ton honneur. C'est quand le prophète est mort, qu'un ennemi qui m'a donné salement. Écoutez maintenant. Le roi Jéhovah continue à pécher. Et Dieu commence maintenant à accomplir les paroles du mort. Et les paroles du mort commencent à toucher sa famille. Son enfant tombe malade. Quand son enfant tombe malade, écoutez ce que le roi dit. Il dit à sa femme, va voir le prophète Ikija, je crois, qui a fait que je devienne roi, mais déguise-toi, parce que s'il sait que tu es ma femme, il va prononcer le jugement parce que j'ai abandonné Dieu. Mais le prophète là ne voyait plus. Ses yeux étaient fixes, c'était un prophète aveugle. Mais quand la femme de Jéhovah se déguise pour aller dans la maison du prophète, les yeux du prophète et les oreilles du prophète s'ouvrent. Dieu lui dit, le roi a envoyé sa femme déguisée. Mais tu vas maintenant lui dire ceci. La femme là seulement entre déguisée dans la maison de l'aveugle. L'aveugle froid. Elle dit, moi c'est mon cousin. Pour lui pour déguiser, oui. L'enfant là va mourir. Et le jugement de Dieu va atteindre, vous disparaîtrez de la surface de la terre. Sache que si tu tues le jeune prophète, tu n'as pas tué Akija. C'est Akija ou Akija? Akija, dis Akija. Il y a la génération des Akija.
il y a toujours la génération des 7-8 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien aimés frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas. Même si vous entendez à gauche, à droite, au pasteur, au roi, à Boko, et ça, au roi, à raté. Et pas Boko, à la jamais. Imaginez à son monde, à quel monde, à son monde.
Tu dois le garder. Tu ne dois jamais vivre dans son âme. Mais tu dois toujours te lever dans son âme. Si quand tu es venu dans cette église, tu étais ponctuel, reste ponctuel. Mais fais-moi l'amour de toi, l'amour. Sinon, on reprend ma dinosaure. Vous savez pourquoi est-ce que les dinosaures sont morts? Parce que leur taille n'était plus compatible à leur environnement. Mamanza me changea et évolua. Si tu évolues, Mamanza va être aussi à la cima. Soit nous parlons du mari. Eh, bon, c'est la main. Tu courais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Les gens que tu côtoies. Tu étais bienvenu à l'église. Qu'est-ce qui t'a changé? Les gens que tu côtoies. Tu avais un bon caractère. Tu as changé. Pourquoi? Parce que tu as cru que parce que quelqu'un est vieux, il est sage. Alors que quelqu'un peut être un vieux prophète insensé. C'est parce que tu penses, c'est parce que quelqu'un dit j'ai 10 ans dans le Seigneur, il aime le Seigneur. Non. Il y a des gens qui sont fatigués de Dieu. Allez-moi les appeler. Ma coquille pour le moment, mon Dieu, mais pour vivre grand-mère dans les amis, oui, vous avez les amis, pour vivre grand-mère dans les amis, pas d'appeler pour vivre la fin, et moi, les gars. Écoutez maintenant ceci. Ça, j'ai parlé de l'église locale. Par rapport au corps de Christ. Parce que c'est déjà le message. C'est ce que je prêchais. Toutes ces années. Ce sont mes séminaires. J'ai dit. C'est comme ça que quand j'ai commencé le ministère, c'est ce que je prêchais. N'est-ce pas? Pourquoi j'en ai mal? On nous dit la matière à vous. Nous avons la personne de la matière à vous. Ça va avec les ennemis. Mais il faut le réveil. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Jésus revient bientôt. On doit dire la vérité à l'Église. Et l'Église se lave que par la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, ne sois jamais un vieux prophète pour quelqu'un. Ne sois jamais un vieux prophète pour quelqu'un. Voudrais pas que quelqu'un te rencontre, il ne craint plus Dieu. Il ne se donne plus à Dieu. Mais il faut que quand quelqu'un te rencontre, il se donne davantage à Dieu. Voudrais pas que tu sois quelqu'un, si quelqu'un commence à te fréquenter, j'ai peur. Tu dis, ah! Et si, tu as un zéné aussi. À mon frère, il y a un zéné aussi. Et vous, t'as dit, ah! À mon frère, il y a un zéné. Ah, bah, Dieu, frère, on m'y laisse. Je suis tout à fréquenter. À m'y laisse, ça va. Donc, à qui t'as tout vieux prophète est maudit. Quiconque opère dans l'option du vieux prophète ici est maudit. Pourquoi tu te poses au réveil? Le réveil vient comment? Ça vient toujours par les nouvelles personnes. Batasikoto Gami, Moyen Abassé la Sika. Tout le monde s'en va en bas. Tout le monde s'en va en bas. On va gagner la tête. Mais pas fait pour faire la gagner là. Bon. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Mais non, si vous êtes sur le jeu, c'est que ça nous va. Moi, je suis chez toi, c'est la base de ça. La vie prophète est à sa mort. Mais j'ai un prophète. Alors, vous faites ça. Mais ça, c'est pas tout. Pas ça. C'est pas tout. Non, pourquoi? Mwana, tigala mwana. Tigala mwana, kukula te. Na mwantambe, kukula mingi te. Tigala mwana. Tigala mwana. Loma mtusu, awu mwusu pasete. Awu mwono mase yo. Awu mje profeta, mwono mase anu. Mwono mase anu, zesu da yifi. Kukuli babi. Kukuli babi. Kukuli babi sa pepe. Quand je prêchais avant moi, tu tremblais. Maintenant, quand je prêche, bah, j'ai prêché. Le virus est entré en toi. Vous qui voulez servir Dieu cette année, sachez que vous trouverez dans vos départements des prophètes. Vous qui êtes entré dans ces églises, vous trouverez des vieux prophètes. Mais attention, vieux prophètes. Garde ce que j'ai pas dit. Tu ne rentreras pas derrière toi, tu ne rentreras pas dans ton ancienne vie. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Tu ne te livreras pas au plaisir. Tu garderas ta vision. Parce que Dieu est venu ici pour une vision, tu ne l'as pas oublié. Tu es venu pour quelque chose. Il y a des gens, quand ils entrent dans une église, ils oublient pourquoi Dieu les avait envoyés. Certains quand vous êtes venus, m'avaient dit, Dieu m'avait dit ça, Dieu m'avait dit ça. Mais après des années, vous oubliez ce que Dieu vous avait dit.
Pasteur, tu m'avais dit à côté de toi, j'essaie de former. Si vous voulez. Tiens, où le ça me fait des mains, elle va être formation. Révélez vos visions. Révélez aux choses que Dieu vous avait dites. Quand vous êtes venu au départ, n'oubliez jamais cela. Gardez ça. Si tu as perdu ça, le Dieu prophète t'a tué. Alléluia. Je termine, pasteur. Le message est fini sur le Dieu prophète. Acclamons le Seigneur. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi, un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les modisquaires de la place. DVD Oyebozé Laki, Pona, Ba Papa, Ba Mama, Bana, Mpeli, Bota Mobimba, Yangoy, Ngonge Beti. Adorons l'Éternel, adorons le grand roi. Avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba, pena ba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. La bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur. Sa bonté, sa fidélité. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Parce que lobby est ça. T'as là le frère Marius Numbuma, Zongi, il souffre pas de nous. Bien aimé, bon dit ma boy en bas, album Oyo. Tu es capable. Nangolo en Zambé, album Oyo. Bon, dès que la mingi à Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Bato mibale bazobela maladi moko, baza na hôpital moko, médecin moko azotraite bango nyonso mibale, mais moko akufi moko abiki. Ezaka yango ndenge na lobi boyebaki na lobi ya moto moto ayebi te toyebani mitema te mbala oyo bana na nzambe nyonso ya mokili mobimba nayebiki bozolandanga na www.casarema.fr. Mbala oyo tolobi nzambe aza roulage.